Offrir et recevoir un cadeau. Voulez-vous connaître tout le vocabulaire utile en français? C'est tout de suite! Offrir un cadeau. Vous avez bien noté, on dit offrir un cadeau. On dit parfois aussi faire un cadeau, mais je vous conseille d'utiliser le verbe offrir. On peut parfois entendre donner quelque chose, mais si vous dites donner, je vais donner des fleurs à quelqu'un, on ne comprend pas que c'est un cadeau. Donc c'est offrir. Offrir un cadeau, offrir des fleurs. Par exemple, j'offre un cadeau à mon ami pour son anniversaire. Recevoir un cadeau. Ou on dit parfois aussi avoir un cadeau. J'ai eu un cadeau pour mon anniversaire, mais je vous conseille aussi de dire recevoir un cadeau. J'ai reçu un cadeau pour mon anniversaire. Par exemple, elle aime beaucoup recevoir des cadeaux de ses amis. On dit offrir un cadeau à quelqu'un. J'offre un cadeau à mon ami. Et on offre un cadeau pour un événement particulier. Donc, j'offre un cadeau à mon ami pour son anniversaire, pour la réussite de son diplôme. Choisir un cadeau. C'est plus facile de choisir un cadeau quand on connaît bien la personne. Acheter un cadeau. Pour Noël, on doit acheter beaucoup de cadeaux en même temps. Choisir un cadeau pour quelqu'un. J'aime bien choisir des cadeaux pour mes amis. Acheter un cadeau à quelqu'un ou pour quelqu'un. Exemple, j'achète des cadeaux à mes parents. À Noël, j'achète des cadeaux pour les enfants uniquement. Avant de l'offrir, il faut emballer l'objet choisi. Je peux emballer le cadeau moi-même avec du papier cadeau. Je peux fermer mon paquet avec un joli ruban. Je peux faire emballer le cadeau. Je ne le fais pas moi-même. Je vais demander à quelqu'un de le faire pour moi. Je le fais emballer. Donc, je vais demander, pouvez-vous me faire un paquet cadeau, s'il vous plaît? Ou alors, je peux dire, c'est pour un cadeau, s'il vous plaît. Parfois, la personne va me demander, c'est pour un cadeau? Est-ce que ce cadeau va plaire à mon ami? Plaire à quelqu'un? Oui, je pense qu'il va lui plaire. Il va lui plaire, hein? Plaire à quelqu'un. On a ici un pronom complément indirect, un complément d'objet indirect, COI. Il va lui plaire. Oui, je pense qu'il va lui plaire. Je connais bien ses goûts. Je ne suis pas sûre de mon choix de cadeau. Je ne suis pas sûre. Je peux demander un bon d'échange. Mon ami aura la possibilité de l'échanger contre un autre objet du magasin, un bon d'échange. Je peux lui acheter un bon cadeau. On peut dire aussi une carte cadeau ou un chèque cadeau, c'est la même chose. Mon ami choisira ce qu'elle veut dans ce magasin. Mon ami reçoit son cadeau. Elle déballe le cadeau, c'est-à-dire elle ouvre le paquet. Déballer. Elle va me dire « Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. » Elle me tutoie, donc elle dit « de ta part ». Si c'est quelqu'un qui me vouvoie, il me dira « c'est très gentil de votre part ». Elle peut me dire aussi « je suis très touchée ». Elle peut me dire « tu as bien choisi, j'adore ». Ou « j'en rêvais » ou alors « quelle belle surprise ». D'autres possibilités, elle peut me dire « c'est un très beau cadeau d'anniversaire ». « Quelle belle attention ».
Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura donné envie d'offrir ou de recevoir des cadeaux. À bientôt.